vocal, puis bascule vers le jeu. Magnifique. Magnifique, vous êtes des chefs, les garçons, bravo. J'arrive. Toc, ouverture du canal audio. Oui. Oui. Bonsoir, heureux pour Oui. beaucoup. Nickel. C'est bien, j'ai tout ce qu'il faut pour le. J'en reviens pas. J'ai regroupé, donc, comme je vous l'écrivais dans le chat tout à l'heure, les clips en un seul répertoire. Parce que je commençais à avoir des problèmes techniques au niveau du lecteur multimédia, d'avoir tout classé par saison et parfois par jeu. Et c'était pas cool finalement pour mon lecteur multimédia. Donc j'ai tout regroupé dans un autre répertoire dédié. Et j'ai compté, voilà, j'ai comptabilisé plus de 2300 clips à la copie. Ça fait peur. J'avais la durée il n'y a pas longtemps, là on a dépassé le cap des 10 heures de clips mis bout à bout. Et là ça représente 2300 clips, ça fait peur. C'est énorme. Avant Noël, honnêtement, avant Noël, je suis certain qu'on va franchir le cap symbolique des 2500 clips. C'est surtout ce qu'on aura fait là ces 4 jours. C'est absolument démentiel. C'est incroyable. Franchement, vous m'aurez dit, j'aurais vécu ça avec vous. Le jour J où je me suis lancé sur Twitch, je me dis, mais vous êtes fou. Incroyable. Comme quoi, hein, dans la vie, il faut jamais renoncer. Faut se lancer dans tout ce que vous pouvez au possible et waouh. Comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Mais encore merci à vous les copains parce que waouh. Voilà. C'était la minute bonheur du sage de Nancy, qui attend ses amis pour faire meumeuse en ligne. Qui fait quoi? Mais je sais pas, je vous laisse, je te laisse, si tu veux créer un lobby. Je vais apprendre, j'ai jamais fait à vrai dire. Code du lobby. Copier-coller. Alors, pour ceux qui sont sur mon chat. Voilà. Bon. Vous avez le code dans le chat de la chaîne. Il y aurait un musée, il y aurait une banque aussi. Waouh. Équipement, oui, rien dans le prologue. Mais intéressant. Paramètres. Non, bah j'ai rien changé. Non, mais j'avais tout paramétré. Ah, Voilà, bien entendu, j'ai je coupé. t'entends en double. Oui, il faut couper les. Voilà, tu ne m'entends plus en double. Voilà. Exactement. Je me déclare prêt, à vrai dire. Je sais pas si d'autres veulent nous rejoindre ou la prochaine partie. Après. Alors, Torota, c'est toi le chef. Je n'anticipe rien, j'attends tes ordres. T'es le grand manitou de la partie. C'est toi qui vas prendre les initiatives. Et moi, je vais te suivre fidèle comme une ombre, ou sauf indication contraire, évidemment, mais comme un fidèle second. Déposer des trésors Déposer dans des un trésors arbre dans dans un le sac sac qui qui est 30 000 minimum. Trouver et dérober une couronne royale. Ça Ça marche. marche. Je sais déjà plus des touches. Ah oui, c'est ça. Et je peux même Et je peux voler même faire voler mon faire sac mon sac déjà. déjà. C'est moi ou je t'entends en double? Ah, c'est. Ah, c'est C'est stéréo. Est-ce que tu m'entends mieux comme ça? Oui, merci. Ah. Attends, je vais voler déjà dans ce qu'il y a dans ton sac. Je peux le faire, apparemment. Pas la louche. Alors, voyons. Déjà, est-ce qu'on commence à. Il y a un truc qui voit qui. Et un dispositif de piratage, si tu veux. En bas. Pardon. D'accord, ok. Ouais. L'étagère est de qualité. L'étagère est de qualité. Oh là là là,
Z, c'est en QWERTY. Genèse. Alors Oui. attends, Tom, c'est en QWERTY, il faut que je cherche le E. Le E, c'est la troisième. Ouais, donc c'est bon. Pourquoi je ne peux pas le récupérer? Voilà. Ok, nickel. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, Tota. Quand tu es prêt, tu es valide sur la touche entrée. Oula. C'est un peu bizarre. Ok, let's go. Oui, merci, c'est une scène. Ah d'accord, on s'est TP directement dans le... Oui, D'accord. sur le lieu du délit. Nazaire. Mouhoné. Si. En deux, j'habite déterminé. Tout va bien. Ah, t'es sûr. Non, ça va. Donc du coup... Là, il y a un, je pense que la couronne est là. C'est vrai que je vous ai Vu pas que bête. c'était le plus cher, C'est vrai que j'étais plus à l'aise je là maintenant. pense. Et je te laisse le temps de te brancher la manette si tu veux. Non, elle est déjà prête, j'ai qu'à m'en saisir. J'adore le Du bruit coup, de je la pense. tempête et de la pluie sur les carreaux. Le bruit est trop bien, il doit être authentique. Ils ont dû enregistrer. Oui. C'est vrai que j'aime bien ça aussi. Donc, si on est là. Donc ça c'est la petite porte là, donc on va passer par la porte d'en face. C'est celle-là. Bon, par Je pense que défaut, c'est. j'écume Ok. quand même les lieux, mais sinon je prends pas d'autres initiatives. Oula. Ouais. Ah ben déjà ça commence bien. Tu as été fait prisonnier, Twinchen. Tota, pardon, je ne sais plus. Qu'est-ce que tu observes, Tota? Je veux juste défoncer la porte. C'est tout. Tu payes combien pour ça? Ah, déjà le truc à laser, il était là, en bas. Ok, une clé. Est-ce que tu Il penses faut faire un pouvoir me double passer clic. la clé, que je puisse te libérer, s'il te plaît? Alors, mais je ne sais pas comment on fait. Faut trouver la touche jeter un objet. Lancer. Non, Ouais, mais pas pousser, mais avant lancer. terre Là, il va nous lancer des araignées. Hé, mon ma colère! inventaire, voilà. Hop. Ah, Mickey, monsieur. Voilà. Je vais essayer de te libérer. Bonne journée. Adios, amigos! Au retour. Je vais faire Ah! plaisir. Ayez peur! Ça me fait frissonner, cet endroit. Oui, c'est beau. Appuyer sur E pour ramasser. C'est Bah oui, totalement c'est inutile, mais je le récupère. Alors, petite astuce, tu m'as lancé un objet. Mais si tu restes appuyé longuement sur la touche lancée, tu vas en fait charger et armer ton bras en puissance et tu lanceras l'objet plus loin. Ce qui fait que beaucoup d'objets saisissables deviennent des projectiles potentiels. LJ adore mettre le Ah. caillou dans la demeure. Quand j'ai joué avec lui, il balançait tout partout. En toutes circonstances, évidemment. C'était Sac Jay. de l'équipe, bracelet, calice et Fabrice. Je vais essayer de faire. On s'est posé. Chardanapalesque. En référence évidemment à l'empereur Chardanapal. J'arrive pas à ramasser les objets pour me balancer. Il avait un goût du luxe démesuré. Bon. Qu'est-ce que tu cherches? Donc, je voulais essayer de ramasser un objet pour me balancer. Ah. Qu'est-ce que c'est ça? Ah. Tête des embustes. Intéressant. Est-ce que ça a une valeur particulière? Ah non, c'est un peu Rien. de. Pardon.
Ça lag un peu. Oui, j'ai merdé mon lancer. Oui, si t'as des latences, n'hésite pas dans les options à mettre tout sur bas. Moi, j'ai tout mis sur bas et c'est très bon. Ah, c'est ma faute. Pardon, je vais absolument couper la musique parce qu'elle m'assourdissait et j'ai commis une bêtise. Ah. Désolé. Let's go. Alors, qu'est-ce que je trouve? Oh, tiens, un joli petit truc. Et c'est beau. Oh, il y a des cartons qui ont bloqué le... C'est peut-être une opportunité. Des livres. Ah, merde. Les contes de la crypte, vous connaissez? Ah ouais. Soirée frisson. J'adorais regarder ça. Alors voyons. J'ai le boudoir. Ouh, plein de choses. Tu sais qu'on peut renverser le tableau. Je fais mon vilain. Ah, j'ai été parvenu. Tiens, ça, tiens, ça. Ah, il faut peut-être lancer un objet bien fort. Attends. Ou alors le petit biche à deux fait. Oh merde. Chabotage. Je vise à côté. Oui. Tu vises à côté pour mettre certains objets. C'est pas facile de viser ça. Ouais, mais j'ai mis toujours autant à côté. C'est merveilleux. Donc, je sais pas comment vous faites pour viser. Pardon. Attention, il y a un laser ici. J'ai réussi ma bêtise. J'ai renversé le tableau, mais de telle sorte que je puisse pouvoir le prendre. Je suis un vilain. Le pomme principal de notre pièce rentre une porte de la journée du niveau. Possible du coup. C'est vu bientôt. Oui. Merci beaucoup pour cette information. Oui, non, mais c'est ambitieux hein, leur idée de niveau procéduraux. Ce sera énorme. Oh putain, moi je l'avais même pas vu celui-là. Vous avez vu? J'ai ramassé une pierre précieuse. Attends, je vais peut-être éliminer. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, tu me mets des affaires dans le. On peut allumer la lumière aussi, je te dis. C'est sans douleur. Oh, tant pis. Ah. Oui. Ah non, mais. Je veux récupérer mon matos. Matos. Ça y est, je fais comme Edge, je commence à faire l'idiot et à balancer les objets. Attends, mais comment t'es chargé ce truc? Ah oui. C'est une bonne question. Si je le savais moi-même, j'aurais pu te répondre, mais là, c'est pas possible. Attends, là, je suis Voilà, c'est bon. C'est quoi ça? Ah, c'est une fille, on s'en met. Alors, c'est le paranormal. Oui. Il peut y avoir des phénomènes tout le temps, je respecte un peu les apparitions. J'aime cette ambiance. Les objets qui volent dans tous les champs. Ah, j'ai besoin d'un peu les salles ici. Ah, à Yves. Il y a besoin. Alors, haut, gauche, bas, droite. Non, t'es allé trop vite. Il faut aller plus lentement avec moi. Gauche. Ah. C'est pas grave. On va recommencer. Droite, haut, bas,
gauche. GG. Magnifique. Et il y en a. Je ramasse les objets parce que moi, pour les mettre dans le sac, ça va être une vraie galère. Bon, mais les ramasser, c'est pas. Un appareil photo. Eh bien, vas-y. Tout à fait. Le son est très bien fait de l'objet lancé au loin. J'ai adoré. Ça, c'est vachement réaliste. 0$ pour l'appareil photo. C'est incroyable. Je coupe la musique parce que je t'entends même plus. Oh, il y a plein de trucs ici, là. Ah, ça te dit? Ah bah voilà. On entend un bambin qui pleure. Non. Pardon? J'y vais en finesse comme d'habitude. Oui. C'est de mon éthique. Si tu fais ton sport, tu y vas en fitness. Ah, elle est nulle. Mais bien sûr. Et... La 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 la. Alors attends. Est-ce, comment je peux transférer mes objets directement dans le sac sans Observe bien l'interface. Il faut que tout ton sac à dos que tu transfères dans ta main. Avant de ensuite manœuvrer depuis ta main vers... Ah d'accord, donc tous les objets que j'ai en main, il faut... Oh, d'accord. Oh ouais. Do, 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 do. Lancer d'objets, c'est scandaleux, j'adore ça. Ça y est, je fais comme Edge, c'est fini. Je prends une... Et but. Oups. C'est quoi ça? Ah, j'ai pas vu au-dessus. Vous avez vu cette subtilité, chers spectateurs? Oui. À quelle vitesse je vais pour récupérer les objets? Attrape le diamant! Oh. Ça t'a mis dans une posture inconfortable, c'est trop drôle. Oh la vache, le lancer de diamant bien violent, c'était drôle. Ah merde, excuse-moi. Ah bah j'en ai perdu J'en ai perdu mon pied de biche, dis donc, dans cette violence folle. Allez. Voilà, je suis privé de pied de biche avec ma bêtise. Une scène dit... Je sais pas, une scène, on n'a pas encore vu. Ah, merci. Alors, une lampe, voilà, qui a disparu, c'est totalement incroyable. Je sais pas si c'est dans le sac ou si c'est à côté du sac. Bah, normalement... En fait, il faut mémoriser la valeur en dollars de nos trésors de sacs d'équipe. Si tu vois que ça a été crédité, c'est que ça a été pris en compte. Mais non, t'as une interface de sac, tu peux gérer. Je sais plus comment, mais... On peut avancer, vas-y. Oui, je te suis, vas-y, prends les initiatives. Attends, c'est quoi ça? Ah. Oh, c'est un vase. Oh, à 100$, on peut le négliger. C'est vrai que la physique du moteur 3D est drôle. J'aime bien. Je fais la musique. Du coup, j'ai perdu mon appareil qui est ici. Voilà. Non, c'est pas celui-là, c'était l'autre. Comment ça, l'autre? L'appareil. Ah, qui... le. Oui, le. Bon, c'est ça que tu cherches. Celui-là, c'est bon. Oui, c'est ça que tu cherchais. Le... Comment ça s'appelle? Ah, oh, j'avais le nom, là, précédemment. Le même. Ancien appareil photo argentique, c'est un... Polaroid.
Le Polaroid. Alors voyons, qu'est-ce qu'on a donc ici? Ah c'est bah on met la lumière. Ah mais voilà. Bah je n'appuie sur l'interrupteur alors. Ok, nickel. Voyons, voyons. Donc il faut qu'on ouvre ici apparemment. Ah, faut que je passe vas-y, sous. Vas-y, tu peux passer sous la grille si tu veux. Comme le vase. Oh merde. Je suis désolé. J'ai merdé la manipulation. Ouf. Le pauvre Torota, je t'aurais tout fait. C'est pas grave, t'inquiète pas. Hein, quoi? J'ai pas compris ce qui s'est passé. Ah d'accord, c'est le son de l'allumage des lampes au mur. Punaise. C'est un corridor, chanfin, Torota. Tu vas faire 2 km de marche dans le corridor. Même dans Minecraft, mon château, il n'est pas encore aussi long. Encore que, je dis ça. On va vérifier. Mais à terme, il le sera. Peut-être j'ai deux ici. Là c'est lourd avec tous les. C'est drôle. Oh my god. Kirigoro. Pas très accueillant. La verrouille nécessaire là. Ok, donc ici c'est. Madame, vous puez là. Mais ça tu avec les yeux noirs, ça pue, c'est bizarre. J'étais pas là quand j'étais passé tout à l'heure. Ah bon? Ouais. Ok, je ne peux pas rentrer à la porte, je répète, je ne peux pas rentrer à la porte, même si on est à 2 mètres de parler. Vas-y, tu peux passer en dessous. C'est ça, Christella. Alors, attends. Oh merde, j'ai encore lancé mon pied de biche, décidément. Le lancer de pied de biche va être ma spécialité. Attention. Et voilà, la statue. C'est mon idée. Elle s'est avancée. Oui, c'est chiant. Moi, il faut que je puisse interagir avec toi. Il va falloir que tu la regardes et que tu la mènes au fond de la salle. Mais non, mais toi, t'as ton chronomètre avant de mourir. 40 secondes. Oui, mais pourquoi je peux pas interagir avec toi? C'est dégueulasse. Mais non, mais là, le jeu, il abuse. Ah! Attends, j'ai une interaction. Oui, oui, oui. Merci. Putain, c'est pas possible. C'est drôle. C'est très drôle. Allez, j'avais 203. Oh merde. Elle est tellement drôle. Elle. Ah, j'adore. Ça devient comique à ce niveau-là. Je lui tourne le dos, tiens. Ah oui. Bon, on fait quoi? C'est quoi la suite? Mais la suite, c'est que je vais la tabasser. Ah, oh, viola. Et bon, voilà. Elle a pas aimé. Elle n'a pas aimé la violence. Mais encore. Un petit bisou. Ah, ah mais la bouche ouverte. Oh, oh oui. Oh ce patin. Oh oui. Oh le fils de la mort. C'est vraiment le jeu d'horreur ça. Oh oui. Oh oui.
C'est n'importe quoi, j'adore. Bien la grande folle. Oh non, commence pas. Oh non. Oh non. Oh. La rentre, madame, il va falloir se refaire les dents, ça va pas du tout. Ah. Ça devient comique alors que c'est censé être horrifique. Au secours. Ah, mais moi, tout ce qui est horrifique, je le tends dans des rivières. Hein. Ah oui, je vois ça. Ah, peut-être de passer un pantalon derrière. Oh hein, oui, voilà. Oh oui, complètement. Moi, ce que je vois, c'est surréaliste. C'est vraiment surréaliste. Bon, à part ça. Allez, ça suffit. Ah oui, alors, on n'en peut plus. Oh là 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 là, là. N'importe quoi. Oh, j'avais pas vu ce qu'il y avait sur la boîte. Universal Doc. Les documents universels. Extraordinaire. Bon, la madame, elle a une crampe. Ah. N'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. Donc, il nous faut deux fusibles. Des fusibles. Alors, oui, du coup, des fusibles. Je me demande si des fusibles ne peut pas un nombre spécifique. Donc en trouvant les deux autres fusibles, je pense qu'on pourrait totalement ouvrir le restant de... Je me frotte pas à vous, madame. Mmh. Après, tu vas aller... Vous surveille, hein. Je sais pas, tu veux... Parce que comme je connais pas le... Wow, on jouait à se faire peur. Tiens. Parti. Oui, bah je suis là. Madame, comment allez-vous depuis tout à l'heure? Pas trop mal au... Oh. Oh, elle s'est retournée, tu l'as vexé. Attends. Ah, je te le dis, hein, tu l'as vexé. C'est marrant, on la regarde, elle bouge pas. Si là, avec ce que j'ai mis, ça n'a pas déverrouillé une porte. Mais il y a un jeu dans le même genre où il faut regarder les monstres pour qu'ils soient figés. Enfin, il doit y en avoir plusieurs des jeux comme ça. Mais il y a un vieux jeu là que j'ai connu il y a des années, j'ai plus le nom. Mais c'est un jeu qui peut se faire en multi. Il y a des énigmes dedans, du genre énigme du père Foura. Et il faut voyager dans toute la ville qui est hantée de monstres, faire plein d'immeubles. Et il faudrait que je retrouve la référence. C'est le genre de jeu en duo. Torota et Christella, je vois très bien. Tous les deux le faire. Il y a même des duos qui seraient des tandems qui seraient intéressants sur ce jeu-là. Par exemple, encore peut-être éventuellement Tunsen et Petit Seb, ça pourrait donner des trucs interaction par rapport à chaque joueur, leur personnalité, leur caractère. Par rapport au jeu, sans déconner, je crois que ça peut faire des soirées de rigolade mais à pleurer. Bastos, Pipoupat, ce serait énorme. Ou Edge, évidemment. Vous pouvez pousser vos coéquipiers en te disant oui, mais je ne suis pas sadique. Casse point. Bon, je t'ai. Il y a des têtes ici. J'écoute tes instructions. Mais là, je regarde un petit peu. J'ai déverrouillé un endroit. Alors, c'est moi où je t'entends la voix en crépitement. Je sais pas si vous, dans le public, vous percevez la voix de Torota avec des crépitements quand il parle. J'ai l'impression qu'il y a un petit défaut de son. Oui, mais j'ai... ça va être... Oui, Christella confirme. Apparemment, t'as un petit souci de micro. Mais c'est pas... Alors... c'est pas mon micro. C'est que ça doit être un problème de connexion que j'ai au vu... Ouais, problème de connexion. Donc, ma connexion Internet. Ça va, tu prends des initiatives... Écoute, je défonce cette vitrine, je récupère. Sac à dos plein, oh déjà.
faut. Alors, il y a ici deux têtes et une couronne. Mmh. Ouais, que j'ai retrouvé la référence de la vidéo. Pardon. Ah, ici, là, de mon côté, tu vas voir, il y a deux têtes à prendre et une couronne, si tu veux. Une couronne à prendre. Ah oui. Après ça, je... Attends, j'ai vu la couronne. Putain. J'ai vu la couronne, mais pas le reste. Oh putain. Et j'ai eu chaud. Hein. Oui, elle est très proche de nous, oui, je vois. Elle aime bien le corps à corps, cette... cochonne, oui. Ça me laisse de marbre. Oh oui alors. Ah, tu peux courir. Bon bah c'est bien. Alors. Ah oui, c'est dans le sac. J'ai un sac plein, moi, de mon côté. Waouh. Alors. Bon, le talkie, je vais le lire. Parce que déjà, ça... Pas du tout. Hop. C'est moi qui viens de lancer un livre. T'inquiète pas. T'as pas de mal. Ah, je crois que tu as une grande fan. Juste derrière moi, je suppose. Parfaitement. Ça ne m'étonnerait pas. Voilà. Je sais pas pourquoi elle me colle au basque. Ah non, mais elle est terrible. Hein. Ça ne m'étonnait pas. Oh, l'hôtel pour la pause. L'innocent. Chatni tu, chaud t'as reconnu. mince. Voilà. Je vais remettre ça en place, ça ici. Alors madame, on s'en parle de vos valeurs. Vous avez de beaux yeux. Enfin, il y a un peu trop de mascara, oui. C'est ça. Non madame. Vous allez rester là. Tu triches, tu passes à travers la porte, vilaine. Ah, la salope, mon tricheuse. Ouais, je peux même pas ouvrir la porte parce que. Contact. Bon, on fait quoi, chef? On va continuer, c'était 30 000 minimum, mais. Oui, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Mais là, j'étais à l'entrée. Oui. La 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 la. Après, tu étais là-bas. Je sais pas si t'as un indice ou des trucs comme ça, je sais pas. Parce... Non, j'ai pas d'indice. Ah, alors attends, là je peux passer. Attends. Parce qu'il y a un circuit apparemment. Oh oh. C'était tellement prévisible. Bien sûr, le personnage ne peut pas sauter. Voilà. Alors attends, hop. Je peux aller déjà jusque là pour récupérer ça. Et par contre là je peux pas aller plus loin parce que je vais me faire trouver. Alors attends, il doit y avoir un truc, on peut pas sauter avec nos personnages. Ah attends, on peut passer par là. Ok, j'ai trouvé le circuit. Quoi? Mais encore. Et je suis passé par là, donc j'ai pas pu déclencher d'alarme. Donc je continue. J'ai pas bougé.
bouger. Je peux passer par là. C'est pas moyen d'heure. Là, je peux passer effectivement. Là, la madame, elle a eu la clé, donc je pense que la clé. Il va falloir que je fasse comment pour enlever le. Déjà, si cette porte s'est ouverte, c'est qu'il y a une raison. Je ne me prolonge pas. Hic. Hic. Alors, c'est très drôle ce qui vient de se passer. C'est-à-dire derrière les barreaux. Oui. Oh, d'accord, ok. Derrière les barreaux, il y avait un planétarium. Oui. Que j'ai tout simplement pu prendre à travers les barreaux. Voilà. Oh. Tu as le bras long. J'ai besoin de toi pour déverrouiller la porte qui est côté de l'entrée. Mécaniquement ou par piratage? Je pense que ça va être par piratage. Ah. Bon, je suis là, d'accord. Ah, j'ai vu la madame bouger, donc fais gaffe. Ah, mais... Derrière toi, avant de... Je t'ai vu, t'étais dans le couloir. Ah, il faut retourner dans le couloir. Ouais, mais je suis juste là, à côté. Dans le couloir. Regarde, je passe devant là. Ah oui. Et la madame, elle te suivait derrière en plus. Ah bon. Ah oui. Donc ensuite. Hop. Donc lui, ici, ça va être la combinaison là, ici, ça va être à deux. Alors, appuyez avec un coéquipier. Droite, ah. Bas. Ouais, non. Droite. Non, 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 non. Voilà. Alors, comment je te réanime? Pour que je sois un peu plus près, je suppose. Non. Voilà. Je crois que la madame, elle est très très fâchée. Attends, je sais ce que je vais faire pour être sûr. Mm-hmm. D'être. Là, elle va venir sur moi. Oui. Bien, madame. Un coup de génie. Je vais essayer, je te dis bien. Et je ne dis pas ça, hein, madame. Continuez à être là. J'ai fermé la porte. Alors, je te réanime comment Voyons. Appuyez E pour voler. Donc je peux voler tes affaires. Comment je traîne? R? Non.
tirer un animal, comment? Comment tu réanimes? Est-ce qu'un regret, ce ne serait pas trop tard? Mais je sais pas. Donc du coup, je vais faire ma bague, désolé. Je suis désolé pour toi. Ce fut un plaisir de t'avoir rencontré. Et pour se marrer, ça va être encore une autre histoire. Mais non, c'est pas un passe-muraille, connasse. Tu retournes dans la salle. Mais c'est pas possible, ce manque de respect. Bon. Alors, pour quitter, on fait comment? Est-ce que tu aurais une idée de ça pour quitter? Parce que moi, je ne sais point. En toute honnêteté, je réfléchis. Bon, déjà, c'est dommage qu'il y ait la madame dans la pièce en même temps que toi, parce que je vois surtout qu'il y a un diamant qui est bien loin. Oh, mais il y a plus qu'un diamant qui est loin du sac. Mais bon, c'est pas le monde de gérer. Il ne faudrait pas que tu fasses un, deux, trois soleils rapidement. C'est-à-dire que tu lui tournes le dos pour qu'elle s'approche de toi et respectivement bah, s'éloigner de la porte, que tu puisses la filouter pour te barrer. Là, on est d'accord, elle te barre la route. C'est pas mal. 1, 2, 3, fini. 1, 2, 3, extrémité. 1, 2, 3, on le met. Dans 1, 2, 3, on n'attend pas la main, succube. Non, faut que tu restes un peu plus longtemps. Reste un petit peu plus longtemps. Maintenant. Non mais je te vois. Je te vois. C'est tricheuse. Incroyable. Il faut aller à la porte de la sortie, je suppose. Attends, elle va pas me niquer comme ça. Je vais me gagner un petit peu de temps. L'ambiance est absolument géniale. J'adore. L'ambiance est l'extra. Elle est sortie. Ou pas. Alors cherche à comprendre pourquoi tu peux pas accéder à la sortie. Il y a une raison. Raté. Est-ce qu'il faudrait que je trouve la couronne royale? Une seule pour ouvrir. Est-ce que je peux faire ça? Non. Parce que ça aurait fait descendre les barreaux et alors ça c'est pas l'air. Mais là je sais pas du tout. Qu'est-ce que c'est cette théorie du complot là? Je te laisse cogiter. Ah, salaud! C'est le jeu! C'est le jeu de l'horreur. Ouais, mais je vais mourir, hein, sinon c'est pas bien grave. Tu es irrésistible. Ouais.
ça veut tenter un truc. C'est bien, prendre l'initiative, c'est une bonne chose. J'ai une idée. Expérimente. Si je brain le jeu. Comme ça. D'accord. Je suis mort. Par la grille. Excellent. Putain, vous allez la poisser. Et le couperet est tombé. Du patron 90. J'adore cette ambiance de fou. Il y a des volontaires pour nous rejoindre. Je sais pas. Et tout à l'heure, une scène ou. Oui, il y a encore deux places, hein, comme vous pouvez le voir dans l'interface. Il y a 4 places disponibles, on n'en occupe que 2. Comme j'entends les... vous avez peur tout seul. Non, du tout. Mais plus on est de fou, plus on rit et plus les risques sont devant. Donc c'est ça qui est bien aussi. Comme vous voulez, vous êtes les bienvenus. Moi je m'éclate, j'adore. L'ambiance elle est extra. Puis la demeure elle est belle. Bien que... Oui. De manière, comment dire, conception, elle est assez dérangeante, on va dire. Mais les boiseries, tous les décors sont magnifiques. Ah oui, il faut que je te remette le code dans le chat pour que tu puisses nous rejoindre, Christella. Attends, je peux le recopier. C'est fait, oula. C'est fait. La, here we go, yo. Here we go, lu. Et vous êtes monté à combien maximum en termes d'argent? On a franchi, petit Seb est très fort, on a franchi la barre des 100 000 dollars en se barrant. Moi, je me suis déjà barré 2 fois. Ah, d'accord. Ouais. Okay. Et avec la couronne, en plus des 100 000 dollars. Bien. Ah, mais je pense que j'aurais pas fait sonner l'alarme. Je pense que la clé, j'aurais pu la récupérer. Ça nous aurait permis d'ouvrir une porte. En plus, j'ai vu qu'il y avait une ouverture qui était derrière la statuette. En plus. Il y avait la clé, donc je me demande si avec la porte. La porte numérique qu'on devait pirater, mais bon, la statue l'a tuée, je pense que ça nous aurait permis de passer derrière. C'était la seconde. Parce que. Ouais, à deux c'est plus compliqué parce que s'il y en a qui meurent et que tu peux pas se faire. Rebastos. Est-ce qu'il veut venir essayer, Bastos? Tu peux, hein, si t'as envie, il y a 4 places. Il y a encore une de dispo, Bastos, si t'as envie de te faire frissonner. Alors, mon affichage de chaîne n'indique pas en haut, c'est bien le jeu Dark Hours, mais c'est le prologue. Ne prenez pas la démo, prenez le prologue de Dark Hours si vous voulez nous rejoindre. Ah, Bastos est en train de charger sa copie. C'est cool, on va être 4. J'adore. Merci les copains, on va rigoler. Ouh. En
t'entends, Christella? Oui, oui, je suis là. Bastos va nous rejoindre. N'hésitez pas à vous rafraîchir le temps que Bastos prépare son jeu. Je pense qu'on va démarrer la prochaine session dans 2-3 minutes. La 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 la. Alors maintenant, comme je connais le bestiaire, mais je connais pas tout, hein. La baraque, je la connais pas encore. Là, je me laisse encore surprendre par Torota qui me dit j'ai vu un passage derrière la grille, la statue, la clé, machin. Ça, j'ai pas fouiné. Mais comme je connais le bestiaire de ce qui nous tombe dessus et comment ça marche, j'ai plus peur. Comme il n'y a plus d'effet de surprise véritable. Donc voilà, je me fais plus dessus, si je puis dire, symboliquement parlant. Et je le vis très bien. Donc du coup, là, je m'amuse vraiment. Pour le coup. Oui, parce que la première fois... Je les avais là. Je les avais vraiment là. Ouais, ouais. Je suis moins le malin. Vraiment. Ouais. Oui, le prologue. Le prologue, Bastos. C'est ça, le prologue. Ouais. Je le fais tourner à la dérision, mais là, comme vous avez vu. Avec la statue qui m'a enchaîné les morts. Encore, nous, la dernière fois, on en a vu combien ? 4 ou 5 en même temps. Au fur et à mesure qu'on ouvrait les pièces, il y en avait une à chaque fois qui était planquée à l'intérieur. D'accord. Ok, donc elle n'est pas toute seule, la vilaine. Intéressant. Prendre le prologue. Mais c'est pas la démo, c'est le prologue. Pardon. Mais je pense que déjà, au moins une, je dirais, celle qui nous a suivi. S'il n'y a pas trop de bugs de conception, de collision, on va dire. Ben oui, parce qu'elle traverse la porte d'entrée. Ouais. Du coup, ça me laisse réfléchir parce que je voulais ce que je voulais faire, c'était la mettre dans la pièce lumineuse. Mmh. Et je fermais la barrière. Comme ça, tout était fermé, nous, on était tranquille pour le faire. Mmh. Et après, s'il y en avait d'autres, du coup, j'aurais ouvré et on mettait tout le monde dedans si c'est. Et si elle bloquait et qu'elle passait pas la barrière. C'est pas malin. Faire pour les. Pour les bloquer une fois que tu reviens, mettre les objets, tu mets un coup d'œil dessus et puis tu les bloques facilement. Quoi. J'aime bien l'idée. Ça se conçoit. De toute façon, tous les démons, je le nique, c'est mon jeu, hein. Démonologiste, Phasmophobia, donc les démons, je les connais. C'est bien. Non, moi, j'ai hâte un jour de voir Christella sur les démons, mais de Thaïlande. Le Aum Suitom. Je l'avais fait la démo, ouais. La démo, mais le jeu complet. Ouais. Moi, j'ai vu le jeu complet, le premier opus. Waouh, 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 waouh. Crois-moi que tu l'entends crier, Lanis. Tu l'entends souffrir dans ta partie. Mais... Attends. Moi, en spectateur, je les avais là. Alors, jouer, je peux pas. Franchement, jouer, je peux pas. Mais rien que spectateur, je me cramponne à mon siège, là. Home sweet home. Eh bien, tu sais quoi? Je vais le mettre dans la... Ah oui, la démo. Ouais, Home Sweet Home, excellent. Et Araya. Si vous aimez la frousse basée sur l'excellente. Sur les excellentes croyances de Thaïlande. La Thaïlande est bourrée d'histoires de fantômes, d'esprits qui te hantent. Et Araya, Home Sweet Home, c'est des jeux à faire magnifiques. Justement, je croyais que c'était le Japon qui était le Japon, la Chine d'ailleurs, qui était le plus paranormal.
En dehors des États-Unis, bien évidemment, parce qu'ils exportent tout. Le Japon, effectivement, en a beaucoup, mais je demande à comparer avec la Thaïlande. La Thaïlande n'a pas à rougir face au Japon. Je serais tenté de me dire que c'est la Thaïlande qui en a plus que le Japon. À vérifier, hein. D'accord. Mais de ce que j'ai étudié des croyances thaïlandaises, j'étais stomaqué. J'ai dit, oh la vache, ils ont des concepts d'esprit, de la psyché, ça va loin. D'accord. Ah là là. Tu veux le temple Bastos, on regarde. Je suis là. La voix est là. Le plein de testostérone est de retour. Je connais pas, tu le sais, ton Klekka démon. Mais merci des références, tu fais bien. Ah, on y voit tout. Tu me donneras les noms de jeux, je fais ça, comme ça je regarderai. Je t'en donnerai les références. Mais il faudra que je retrouve le troisième que j'ai pas donné à Christella non plus, que j'ai en tête. Et franchement, vous faites celui-là en groupe. Moi je vais adorer vous regarder, mais vraiment. Je vais pas bouder mon plaisir en mode popcorn littéralement là. Vous allez faire mes soirées, je vous le dis. Avec plaisir. Tu m'étonnes. Pourquoi c'est comme ça là, mon truc? J'ai le camion. On va faire les vilains. Visuel. Prenez vos repères. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur la touche Entrée voilà. Pour dire que vous êtes prêt. Yes, oui. Pas prêt. Yo. Ah, la cabine est sympa du coup du chauffeur, c'est cool. Attends. C'est un bus ou c'est un camping-car, cette merde? Non, c'est un fourgon. C'est le fourgon qu'on a vu dans l'animation, là, de chargement. C'est le fourgon blindé. Oui, noir américain, là, ouais. C'est un pur... Pardon. Bon, voilà. Les portraits... Du coup, je sais pas ce qu'il faut faire, je vous suis. Hein. Pardon, j'éteins la lumière. Déjà, récupérer les parallèles. Ah, Twinsen me dit que Bastos c'est beaucoup trop fort en son. Oui, tu as raison. J'avais pas corrigé, je vais corriger. Si la faute me revient, je crois que j'ai mis à 200% dans mon. Merci. Une statue de Villon, tu as raison, le son doit être beaucoup trop fort chez moi. Allez, laisse-moi. Oula. Et hop là. Voilà. Tout ça. Oui, je vais. En fait, c'est la pièce faite, t'as la tête qui va venir me vu. Voilà. Ouais, ouais. Bon, voilà la porte. Merci. Mais comment tu déposes? J'ai recorrigé la balance des sons. Pardon, excusez-moi. Je vous ai gâché la vue avec mes manières. Oh, c'est quoi ce jeté de plantes là? Non, mais. Bah. Elle a disparu la plante. Mouche. Ok. Ah, il y a un bug. C'est peut-être le nouveau monstre. Oui, une c'est plante. Ça, c'est la plante. D'accord. Attention, il y a des lasers sur les murs. Donc on risque de déclencher des alarmes. Comment le calice il a pu venir jusque là? J'ai la musique, elle se déclenche tout seul. Comment que quoi pu venir jusque là? Magnifique. Attention, j'espère qu'il fera peur. Mais what the fuck? Tu danses avec la table, le sage. Oui. Il y a moyen de rallumer la lumière.
Faut pas piquer le tableau. Alimentation nécessaire. Ah merde. Putain, il y a même un rubis qui était planté là. Oh putain de... Ah oui, t'as dû passer dans un laser. Et comment on les voit? Là, regarde, sur le mur, là. Là, tu vois cette espèce de truc? Ouais. Tu le vois, tu t'envoies, regarde, de l'autre côté du mur, t'envoies un avec le laser qui est activé, là, sur la colonne. Ah, d'accord. Ouvrez bien les yeux. Vraiment. Les deux, voire les trois. Ah! Hop, donc là on va pouvoir déverrouiller. Et donc ce petit bloc et il y a eu autant là. Oh. Quoi que tu veux? Ah oui, ça. Ah, ah, ah oui, mais j'ai... Voilà. Voilà. Alors, baba, oh baba. Yes. Obamo. Ouh, il y a un beau diamant. Je l'ai pris, hop. Combien il vaut? Quasi. 4000, hop, mais je mets dans le sac. Hop. Pour celui qui a un pied de biche. Oui, moi j'en ai. Vous pouvez péter la vitre là, et on va récupérer tout ce qu'il y a dedans, dans le coulis. Ouais. Et on va pas se faire. Faut faire gaffe, t'as vu que le sac il y avait des places limitées, donc faut mettre vraiment les trucs les plus chers dedans. Ouais, d'accord. J'en ai pas fait gaffe. Oh, attends, parce que moi j'ai un truc qui... Je sais plus comment on fait pour jeter... Ah oui, c'est... Hop. Hop. Et le... Merde, j'ai jeté l'appareil. Ouais, il y a un collier par terre. Ah ouais. Attends. Hop. Oui, il m'a fait 1000 pieds de biche. Ah, il est là. Bon, il me l'a enlevé. Voilà. La punaise, toujours. La punaise. Bon là je sais pas, il y a des trucs qui valent peut-être pas beaucoup. 1200, en fait, je vais récupérer. 4000 le diamant. Là c'est combien? 300 je vais le dire. 2400, 2400, 300 je vais dire. Et 3200. Si ça te va, ça me va. Et le lion, 900 je vais dire. De toute façon, après, quand on trouvera des trucs plus chers, on pourra faire du tri, hein, après. Parce qu'on peut enlever d'accord. Des trucs de sac ou... Bon, faut peut-être avancer, non? Il y en a qui ont le courage. Le courage d'avancer. Bah, comment on ouvre la porte qui sont fermées, du coup? Et là, déjà, attends, hop, on peut soulever ça, quelqu'un qui passe dessous. Voilà, ouverture. Oh le bouquin. Bonjour. D'accord. Donc là je pense qu'on va pouvoir le... Ah non c'est pas celui-là, c'est là. C'est quoi. Ouais là il y a la deuxième grille à ouvrir. Pour l'instant on sait pas qui c'est qui... Ah, entrez. Bonjour. Bon, ça suffit là! On se fondait! Attends. Je vais bloquer le pourri. Une pierre précieuse. Et là, ton retail défonce la porte. Voilà. Alors, on est parti. Il faut être deux. Voilà. Là, je suis à côté. Hop, attention. Oh, baba, gauche. Magnifique. En vrai, je redécouvre des choses. Enfin, je découvre littéralement des choses. Oh, y a la deuxième batterie. Non, je le prends. C'est le fusible. Ah, c'est quoi, hein? Merde, j'ai piqué le microphone. Sérieux? Oui. 280 euros quand même. Hein, pas dollars.
Attends, je lâche. Parce... Un peu droite. Un peu violent. Ah, il y a un pistolet pour quelqu'un qui veut se défendre, là, qui a peur. Un pistolet? Ouais. Oh, je me suis pas qu'il y avait une arme. Après, je sais pas si elle est chargée. Quelqu'un veut faire le gros coffre avec moi? Oui, Bastos, tu veux pas le faire? Hein? Oui. Le coffre avec ton retard, vas-y. C'est quoi, du coup? Après, c'est aussi alors, plutôt que le micro de cristal. Tu tapes avec les flèches. Droite, oui. droite. Haut. Bah. C'est bon. Nickel. Et là qu'est-ce que tu trouves avec la poubelle? Alors, ramasser un diamant. C'est tout? Ah ben... C'est pour ça? Oui, oui. Ça, c'est rien. Oula. C'est rien. Le sage, il s'amuse à faire claquer les portes, il nous fait peur. La 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 la. Bon, on va faire une clé. Bon, pour l'instant, il y a personne, hein. C'est étonnant. Alors, vous avez récupéré la batterie qu'on va mettre sur. Ouais. On va mettre là. Alors non, pas là, c'était ici, là, où je suis. Ouh, des rubis sur la table. Ouais, j'avais trouvé aussi des saphirs dans des bibliothèques. Attends. Quelqu'un peut venir m'aider à ouvrir la porte pour mettre la batterie numéro 2. C'est où? Hop. Voilà. C'est tout. Ah merde, évidemment, il a pas dans l'inventaire. Excuse-moi, mais je crois que je vais bientôt mourir. Celle-là. Ah bon? Hein? Pourquoi? Mais non, tu vas mourir. J'ai entendu des pas très lourds qui sont juste voilà, à côté. Ça y est, désolé, j'avais oublié le bouton. Bon, il y a deux fusibles, il en faut un. Mais merde, je crois qu'il faut d'abord voir la maintenance, non? Encore un pied de biche pour ceux qui en veulent. Alors, je vais m'occuper de la salle. Bonjour. Oui, attends, je crois qu'il faut d'abord mettre le fusible sur le taux de la maintenance pour ouvrir la maintenance. Il doit y avoir un truc à faire à la maintenance. Ah, il y a un coffre là. Ouais. Alors. Oh putain! Quoi? Monsieur, je vous connais pas. Ah? Il est où? C'est quoi tout ce bordel par terre? C'était un monsieur de 3 mètres, tout le noir. Alors par contre, c'est... On fait le coffre Alors, non, c'était pas le coffre à porte que j'avais fait. Attends, ça je jette. Ouh, 5000 statues. C'est pas bon. Ah, vous faites le coffre à porte? Non, c'est une question. Ah, t'as pris un coffre ici, là. Oui. C'est pour ça. Bon, moi je vais essayer de retourner au sac si je trouve le chemin. Gauche, droite. C'est bon. Ah. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le... Et un collier, bien sûr. Un collier de terre là. Non, parce que... si je... Ah mais vous êtes sur quel coffre-fort là? Aucun. Aucun, d'accord. Je vais changer juste à l'endroit une batterie. Le seau, mais j'en veux pas du seau. Oh, vas-y, ouais, enlève le fusil de la maintenance. Comme j'ai ouvert la porte, pour voir si la porte se referme ou si elle reste ouverte. Merde, elle se referme. En fait, ouais, il faut que tu laisses pour l'instant le temps qu'on aille... Oh merde, faut que je reprenne le pied de biche. Ah si, c'est bon. En fait, là, on va pas vraiment changer la batterie de place.
Oh putain, il y a un bug avec l'étagère là. Ouh, il y a un truc qui bouge en tous les sens. C'est rien, c'est rien. Bordel. Quoi le bouton là? Ah si, c'est pour le parcours. Ah, c'est la minuterie. Alors attends, merde, il faut que je m'allume la lumière. Oula, je vois plus rien. Attends. Hop. Voilà, merci. Attention. En principe, tu dois pouvoir sortir par un autre endroit. Alors, ne rentrez pas dans la salle où il y a les statues, ma chaîne. Ah non, on n'y est pas, hein, on est ailleurs. Parce que là, je vais repasser comme je faisais avec toi le sage de tout à l'heure. Oula. Ah ouais, mais là. C'est joli. En plus, le sage, il est encore avec nous. Il est dans une plante, je vous retire son direct. Oui, bonjour, entrez. Oula, il y a un truc plus loin, hein. Ouais, c'est moi qui tape les bouts de l'aération. Non, non, c'est le grand monsieur du noir qui a revenu avec. Oh, les ongles, c'est le monsieur noir. Bon, j'ai ouvert une nouvelle grille qu'on vient au boudoir. Est-ce que je pourrais enlever la batterie de la maintenance? Oh, mais il est caché dans un coin, le sage. Il voulait nous faire peur. Je peux enlever la batterie de la maintenance ou pas du tout? Oui, si Bastos est sorti, oui. Oui, là j'ai ouvert une porte. Le stockage ouest. Ah oui, je suis passé devant tout à l'heure. Mais du coup, sans faire de bruit, comment ça va être possible ça? Ah ben, je pense qu'on est obligé de faire du bruit là. Parce que là, j'ai une vitrine avec 3 diamants, une couronne, un collier de perles, etc. Oh, bah, de toute façon, on a déjà pété des vitrines. Il est où le sage? Je vois pas. Ah, il est là! Je peux aider à ce que tu remontes dans le conduit. Attends, hop! Je ne fais pas que des Yoshi. J'ai trouvé une petite clé. Ah oui, ça amène là, ok. Ouh, petit. Wow. Pas de cardiaque, hein. Tu m'étonnes. Oula, oula. Oh putain, oula. Oh putain. Oh, oula. Oh, j'ai peur. Pardon, monsieur, excuse-moi. En principe, il a dû partir, hein. T'as juste 20 secondes pour venir me réanimer, autrement je meurs. T'es où? T'es arrivé d'un coup. Ouais. T'es où? Ouh. C'est bon. Ouais. J'ai eu un peu peur. Bon bah d'accord, bon bah si c'est comme ça. Hein. Oh bah oui, vous y allez. Depuis tout à l'heure je cherche un moyen discret, bon bah allez. Hein. Alors ça, sent trop. Hop. Bah en même temps, une scène ne donne pas d'instructions, puis comme je finis par connaître bien le jeu, je prends pas d'initiative, tu vois. Oui, mais on a besoin d'aide. Non, c'est assez bon. Je suis un peu lourd. Attends, il y a un petit coffre-fort là. Je sais pas si t'es encore là. Ouais, je suis à côté, attends. Hop. C'est vrai qu'on fait de ces bruits en marchant. Pas du tout. Allez, je t'en prie, dis-moi le code. Alors, gauche, droite, droite. J'ai récupéré la. Ah, droite. Ah, juste un collier. On va voir combien. Ouh, 2004. Oula. Quoi, il arrive? On dirait un tremblement de terre. En principe, il me semble non, que quand c'est la grille que j'ai. Ok. Le monstre, si on l'éclaire avec la lampe, je crois qu'il s'en va ou un truc comme ça. Le noir, oui, le géant. Oui, c'était un géant. Dis le monstre, Torota, pas le noir. Moi j'aime bien l'appeler Monsieur Goudron. Ah bon bah y a des trucs qu'il faut virer hein. Ouais.
parce que là, je suis foutu. Oh, attends, alors ça. KBS. KBS. Oh, j'ai failli. Hop là, j'ai failli. Oh, je brasse les 300, et hop. Je fais le chemin. T'avais dit que t'avais atteint combien avec Tisseb, le sable? Plus de 100 000 dollars, plus la couronne. Bah là, on est à... Hop. 300 000 à peu près. 103 000. Bien. Et la couronne, il faut la mettre dans le sac ou pas, la couronne? Je le crains. Ah ouais, donc il faut laisser une place de libre, alors. Je suis pas sûr, mais je le crains. La couronne, c'est le tiare, on est d'accord? Non, non, c'est vraiment le truc qu'il faut attraper, mais qui est chiant à attraper. Et là, ça prend une place pour rien. Aïe! Volant! Ça, je le vire. Ça, on s'en fout. Ça, et je le vire. Et cette clé, elle correspond à quoi? Attends. Il y a un truc qui a tremblé d'un coup là. C'est ma ça, clé. Je prends. La clé que j'ai, ça, je prends. Elle sert à quoi? C'est pas marqué ce que à quoi elle correspond? Ils disent juste clé, utiliser la porte correspondante pour la déverrouiller. C'est quoi ça? Voilà, ah, putain! Quoi, il est là? Ouais, je me suis fait tuer. Mais je le. Mais qu'est-ce que c'est cette boule? Ah merde! C'est un diglobe le... antique. Il est où le couloir? D'où on vient juste la porte après les deux alarmes. Coucou! Non, c'est là à côté. Oh, attends, je te vois pas. Derrière toi. Bonjour. Oui. Bon. Ah oui! Oh putain! Donc, j'ai récupéré une clé. Je vais aller voir quelle porte ça ouvre. Bah, pareil, j'ai une clé. De toute façon, il faut qu'on se suive tous, hein, parce que s'il y en a un qui tombe par terre. C'est ça. Attends, je crois qu'ils sont partis. C'est pas là-bas. Une. Ça ouvre pas ça. Donc ça c'est la partie du musée. Ce n'est pas la bonne clé, ok. Ah, c'est bon, j'ai la clé. Donc c'est ici. Ce n'est pas la bonne clé. Ok. Mais c'est peut-être la clé de la salle de bain. Pourquoi je suis coincé, moi? Batterie. J'ai bien encore pas fait, si tu veux. Ah, je peux plus... je peux pas avancer plus loin? C'est quoi ce bug? Ah, t'as un mur invisible. Bah oui, je suis coincé. Je peux pas... Ah merde! Ah oui, il y a un bug. On est coincé. Vas-y, dis-moi. An invisible wall. Ok. Bon ben, nous on est coincé par un mur invisible. Voilà. Ah, je sais pas si c'est fait exprès, mais. Attends, je pense que c'est un autre type de bug. Ouais. Dis-moi, on fait le coffre? On va faire le tour, hein? Ouais. On en est... Oh, j'entendais pas. J'entendais pas. Où dit derrière? Ouais, vas-y, on ferme. Ah putain! Ah, alors attends, maintenant qu'il a disparu, peut-être que c'est lui qui faisait le bug. Pas normal. C'est la première fois que je vivais une telle situation. Ah ouais, tu vois, ça y est, y'a plus de bug. Ah. C'était peut-être parce qu'il y a le monstre qui devait apparaître à cet endroit-là que ça a fait un bug. Ok. Vous avez tout pris? Allez, vas-y. Non, on y allait. Vas-y, dis-moi. Comment il vaut les popotins? Au droite. Au civil! Au bas, ouais. Attends, moi je vole un peu tout, genre les prix. J'entends des bruits de pas, hein. J'y vais. Vous avez pris. Ah, il y a une clé sur la table là. Merde, je peux pas la prendre. Ah, j'ai la clé de la sortie, c'est bon, on doit sortir si. Mais il nous faut la couronne, toujours. Bah ouais. Donc là, c'est plus la peine de rentrer parce que j'ai cambriolé déjà tout ce qu'il fallait. Ça sert à quoi du coup ma clé? C'est pas la clé de la salle de bain. Elle est où la salle de bain? Elle est dans un des couloirs. Qui c'est qui a un chandelier dans la main? C'est moi. Attends, je crois que c'était par là. J'entends qu'on débouille pas. Voici la salle de bain. Ouais. Putain de merde! Aïe. Et c'est ton moteur qui ressort, c'est pas mal ça.
T'es bas. Oh putain. Oh non, pas encore, mais ça fait deux fois. Pas vrai. Oh merde. Attention! Bon, bah, moi je me barre, hein. C'est pas que je vous aime pas, mais. Là, non, là, je veux la couronne! Oh putain! Il nous faut cette couronne. Je partirai pas sans la couronne. Ouais, ouais, non, mais j'ai fait juste un tour, hein, je te rassure. Allez, voilà. Oh là là! Donc, c'est grâce à Dieu. On était parti pour la salle de bain. Vous, on a été téléporté. Ah, oui, elle est où la douche? Non. C'est pas ici. Là, elle est là. Salle de bain. C'est bon. Je vais prendre une petite douche, allez. Dehors. Ok, il reste à voir. Oh putain. Qu'est-ce qu'on appelle avoir la classe? Oh, mais putain, c'était comme ça à chaque fois. Oh, attends, il y a. Il y a un petit coup c'est, là où, c'est ce qu'on appelle être constipé. C'est là où j'ai trouvé la clé. Il y a un truc, il y a un truc à activer, tu l'as pas activé là le truc le. Je l'avais activé mais ça tu sais pas. Ah ça y est, en fait c'est pour remonter la grille. Ou être au fond du trou, oui. Du twinchen. Oh putain! Quoi? Run away! Ah, il y a eu quelqu'un? J'ai voulu faire un sprint, mais j'ai pas eu le temps de prendre mon départ. Il m'a chopé. Bon, on est dans le grand salon du début. Dorota, il est mort de rire. Bah, allez, mon petit, salaud. Attends, vite, je vois quelqu'un là. Ouais. Bien, j'ai l'écran qui a pété. C'est fini. Ah merde. Trop tard. On a t'es à côté, trop tard. Oui, t'as un objet dans le sac, ouais. Mais moi, je me suis fait avoir. Oh putain. Bon, j'ai l'écran qui a bugué la tente de coéquipier pour le coffre. Laissant la bugger, j'ai toujours cette affiche en fait. Il n'est pas disparu dans le corps là. Bordel. Oh ouais. Qu'est-ce qu'il faut dans le salon. Ça y est, c'est bon, il est parti. T'es où, Torota, quand on te rejoigne? Sur le chemin. Ouais, tout droit et gauche normalement. Là? Vous avez pris dans au bout du couloir, au bout du couloir. À gauche. Alors attends, le truc qu'il y a dans ton sac, Bastos. Il y avait un truc. Ah oui, un diamant. Attends, remets-toi là. Ok, c'est bon. Non, je. C'est où? Donc à droite, le sel. Ah, pardon. Ah bah, t'es mort. Merde! Derrière toi, Christelle, fais gaffe. Ouh! Il va me choper! Non! Ah! On peut pas s'en défaire en plus! Non. Il court trop vite. Dans le. Ouais, parce qu'il y a une lumière, là, c'est des fenêtres, voilà. Ouais, voilà. Il est derrière toi, le sage. Oui, cours! Ah, c'est pas celle-là. Elle est bonne celle-là. Elle peut pas vous suivre ici. Je sais pas. On se planque derrière le tableau. C'est pour ça que au début il fallait être deux pour ouvrir la porte de la salle des caméras. Comme tu dis ça. Je sais pas, sur la gauche de cette salle, il y a aussi des boucles d'aération. Du coup. Ah, bah, il est là. Non, mais non, il peut pas disparaître. Hein.
y est, merde. Ah, il va venir le croquer aussi. Je suis la mort, je suis la mort. Bah, j'aurais essayé d'esquiver avec le tableau, mais il a pas voulu. Ouais. Non, tu t'es caché surtout dans les plantes, hein, depuis... J'ai pénu, j'ai manqué de peau. Voilà. Il est trop bien ce jeu. J'aime beaucoup l'ambiance. Mais la demeure, franchement, le décor est magnifique. J'aime beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la salle de caméra. Puisqu'on va trouver la deuxième batterie, je peux prendre la clé ou là à trouver la clé de sortie. La clé de sortie, elle était dans le bureau du directeur, donc il faut que tu trouves d'abord la clé du bureau du directeur. La clé du bureau du directeur, je sais où elle est, justement. Je prends un petit biche. T'es très drôle. Je suis au petit coin. Sauf que non. Là, je vois ça. Si tu veux, il y a des mèmes dans le château, enfin dans le musée. Hein. Mm. Ils sont mieux. C'est quand tu veux, trop tard. Hein. Oh putain. Let's go! C'est parti! Allez, c'est numéro 8! Et hop là! Allez, juste là, c'est parfait. Des objets qui ont bougé de place. Ok, ça c'est bon. Des diamants dans une bibliothèque, c'est un truc de fou quand même. Oui, c'est ce que j'avais trouvé tout à l'heure. Oh la vache. Est-ce que tu peux revenir pour réactiver? Mais il est passé déjà le sage. Ah mais c'était pour... voilà. On va réactiver cette porte de caméra. C'est pas ici, c'est l'autre d'après. Excuse-moi, confrère. Attends, je vais ouvrir la grille. Hop là. J'envoie les œufs de valeur, pas je ne sais rien d'autre. Hop, la batterie d'ici. Hop, le flingue. Tranquillisant en fait. Allez, ouvrir là-bas. Donc, laissez quelqu'un. Ah oui, t'as déjà ouvert la porte. Il n'a pas le temps. Bah, je vais ouvrir la clé du bureau du directeur, comme ça, ça sera fait. Ah, la porte s'est violemment fermée devant moi. Plus tu restes appuyé longtemps, plus t'envoies tu projettes l'objet loin. Comme ça. Tu vois. Voilà, là, je viens de me manger dans la tronche. Ma toche, il est moche, ouais. Rota, il y a tes copines qui sont là.
Oh putain là. Alors du coup, mais si c'est celle-là, est-ce que celle-là on peut pas la prononcer? Le problème c'est que vu qu'elle passe à travers les portes. Ouais, mais on va voir derrière les grilles et voir si ça passe. On se met la bibliothèque en pleine poire pendant que les autres ils sont. Le problème c'est que ouais, tu veux fermer la porte, il faut rester ici quoi en fait. Ouais mais c'est pour ça que je vais les aider. Mais oui, voilà. Alors vous voyez la porte. On peut fermer l'autre qui est à côté. Et passer à l'extérieur. Sortez tous par l'autre grille qui est ouverte. Vous voyez, la traite vidéo. Je vais la tirer ici, je vais la passer dans la salle. On va voir si ça marche. Il y a des objets derrière. Et vous me dites quand la grille est fermée. Qu'est-ce qui jette des trucs? C'est le sale. Moi je vide la bibliothèque parce qu'il y a des objets précieux derrière les livres. C'est vrai. Est-ce que vous, juste vous pouvez sortir des salles s'il vous plaît pour essayer de tester ou en coincer la statue? Qu'est-ce que t'appelles sortir des salles? Parce que nous on est dans le couloir. Donc, mais fermez les grilles maintenant, je vais être le seul dans cette salle. Ah ben tu seras pas le seul, il y a le sage qui est derrière. Mmh. Ah ben, le sage des objets dans la tronche. Ah, tu veux que je sorte? Ouais. Non mais pas. Ah pas ici. Au secours. À l'autre côté. À l'autre côté. C'est donc comme ça que je se transforme en zoo de ton rota sauvage. C'est bon, tout est fermé, tout le monde est safe dedans. Oui. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu veux la tirer dans la salle? Ah, tu veux l'enfermer là-dedans? Ouais. Ouais, mais après, il faut qu'on repasse par là, nous. Mais oui, avec mais le conduit d'aération, ça repasse dans le couloir qu'on avait trouvé. Hop, tu vois, elle te suit au moins. Je vais prendre un peu plus de distance. Bonjour madame, la statue. J'imagine que c'est un 2-3 soleil, genre tu la regardes, elle vient pas vers toi, au moins au bout de Mario. Ouais. Elle s'est tournée. Ouais, elle nous regarde à nous. Non, bon, je suis à côté. C'est bon. Vous savez quoi, je vais l'essayer comme ça, puisque j'ai largement la place. Allez, au revoir, madame. Attends, il y a encore deux grilles là-bas. Normalement, il reste une grille au fond. Il y en a ouais, une. Mais après, elle est fermée, l'autre au fond. Attends, je vais y aller. Voilà. Il y a les cartons, j'espère qu'elle peut pas soulever ou passer dessous. Bon, ça m'étonnerait. Bon ben, y'a plus qu'à attendre pour voir ce qu'elle va faire. C'est marqué. Elle est toujours là. Bon, en attendant, on peut ouvrir des trucs. On peut fouiller. Donc, alors, attendez, du coup, moi, j'en étais. Donc, la salle au laser, je vais m'en occuper. Je connais le chemin. Un petit coup de pied de biche, non, peut-être. Non, je pense qu'il faut peut-être le voir par l'intérieur. Attends. Un, deux. Oui. Toc, j'ai un, j'ai mal. Il y a une radio pour le code. Ah, voilà. Là, je peux passer par là. Attends. Hop. Je peux passer par là. Ah, le circuit a changé. Bas, droite, bas. Au bas.
Ah, y'a rien. Si, un tiers. Ah oui, je crois qu'il y avait un tiers que toi. Non, mais... Et l'autre, elle est toujours enfermée? Et si elle vient pas, c'est que pour l'instant, elle ne vient pas. Oui, en effet. C'est tout. Si elle vient pas, c'est qu'elle vient pas. Elle a l'air en effet coincée derrière les barreaux. Nous entendons du bruit. Mais le problème, c'est moi, la clé. Parce que j'ai récupéré la clé et la grosse boule de tout à l'heure. Oh. J'ai refait le chemin arrière. Et du coup, on peut ouvrir maintenant la clé de la salle du salon, de la salle du directeur. Voilà. Oh, 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 oh. Tu vois ce que je vois dans le coin? Un peu la clé. Est sortie donc. Ça, c'est aussi une statue qu'il faut éviter, j'imagine. Mm-hmm. En plus, elle est juste à côté de la table où il y a le fusible. Ah, il y en a deux ou trois dedans, dans cette salle. Clé sortie utilisée. Donc, il y a la porte ouverte là-dedans. Pour la clé sortie. Donc, dans le niveau en entier, tu veux dire? Ouais. Dernière fois qu'on l'a fait, nous, il y en avait 5. Okay. Et tu vas voir que les 5 que je voulais. Putain, m'a fait peur. Alors là, c'est vraiment un 2-3 soleil. Hein. Tu verras que les 5 que je vais les niquer dans. Il y en a une Est-ce qui que quelqu'un peut mettre la batterie dans maintenance? Je crois que tu lui as fait activer ton micro, Christella. Ah merde, attends. Clac, ça y est. Attends, c'est moi qui ai la batterie. Attention, parce qu'elle risque d'arriver, elle est derrière moi. Oui, oui, je confirme. Je confirme. Et c'est la même. Il y en a deux. Oui, je te dis, dans la salle, il y en avait au moins trois. Et l'autre, elle est toujours coincée ou pas? C'est les trois de la salle? Oh. Bon, mais je reste là et aller dans la salle de maintenance, je les ai vus donc au moins. Non. Si vous en avez d'autres, vous les faites passer devant moi, comme ça je les... Ouais, mais attends, j'ai l'impression qu'elle s'est barrée l'autre, hein. Elle est plus là. Hein. Donc c'est... Elle passe à travers les grilles. Ah. Donc c'est l'une des deux, peut-être. Donc ça y est, j'ai mis le troisième fusible sur le truc, on peut aller ouvrir le coffre-fort maintenant. Ok, allez-y, moi je... Oui. Je veux bien y aller, mais... Il y a une madame qui bouge. Attends, il y en a même deux, mais je sais pas où elle est la deuxième. Est-ce qu'elles sont toutes les deux du même côté? Non, mais je les garde toutes les deux. Ouais, elles sont tournées vers Toruta. Allez-y, allez-y. Elle n'est pas vraiment tournée vers Toruta. Bonjour, madame. Non, mais comme je les regarde toutes les deux, je peux pas. Donc allez-y, tranquille. Hein, allez-y, tranquille. Ah, je regarde non, derrière moi. Depuis tout à l'heure. S'il y en a une qui vous poursuit, vous l'amenez sur mon champ de vie. C'est pas que les gens normales. J'ai un peu peur de ce qu'on va trouver dans la salle du coffre. Ah, mais attends, il n'y a pas des pièges ici? On voit des caméras en tout cas. Il y a un laser là-bas, ouais, à gauche. Il y a des caméras à droite. Sage? Je suis là. Es-tu tout beau en train de chercher une femme de statue? Aucun? On t'entend pas depuis tout à l'heure? Je n'y ai pas. Parce que je m'éclate à suivre vos aventures à travers le système de caméras. J'ai 6 caméras. C'est juste génial. C'est bon? Oh. J'ai bon espoir que mon public s'éclate à regarder parce que franchement, c'est sans cesse. C'est vrai que je me tais, c'est vraiment génial. J'adore l'ambiance. Ah. Tu arrives? Ouais, c'est bon. Alors, bas, 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 haut, droite, haut, bas. Wouhou!
J'espère que ça va pas nous toucher la porte. Ou qu'elle va pas aller vers le rayon d'alarme. Attention, s'il y a pas, y a pas quelque chose dans le coffre, hein. Robose. Ah non, c'est bon. Bon bah vas-y, hein. Prends la couronne. Prends la couronne. Par contre, il y a combien dans le sac? Parce que vu qu'on n'y a pas pu y aller. 27, je dirais. Mais allez-y, vous me direz s'il y a la statue ou pas. Si la statue vous m'a amené dans le couloir à côté des. De là où je suis là. Le couloir des batteries. Bah non. Non, mais c'est bon, alors allez-y, ouais. Tranquille. Moi, est-ce que ce soit planqué ailleurs? Allez-y, tranquille. On n'a pas fait les coffres-forts, hein, par contre. Okay. Oui. Dans la salle des caméras, dans la salle de. On pose des trucs. Donc n'hésitez pas à fouiller. Bon, moi j'ai le truc à 6000 et. Le problème, j'ai. On n'a pas fait la salle de bain, on n'a fait aucune porte. Hein. Donc, par contre, la salle de bain, il y en a une planquée bien. Il y en a une qui est dans la salle de bain, si c'est comme la dernière fois. Je tiens en joue les deux, donc y a pas de souci. Ah bah tiens, un diamant sur l'horloge. Ouais. Et normalement, autour de la. D'accord. Alors attends, en fait, je crois qu'elle est, planquée, elle est là. Où ça? Amenez-la vers moi. Dans la. Ah, bonjour madame. Mais le problème, c'est que vers toi, la grille est fermée, donc. Elle est vraiment allée au petit coin, du coup. Ah putain. Excusez-moi, monsieur. Vous allez bien, Robert? Je tourne la tête, je suis con. Problème. Bon, bah, on va la réenfermer, hein, tout simplement. Vas-y. Non, mais c'est bon, moi. Ouais, très bien, là où elle est, t'inquiète. Ouais. Oh, mais je vais l'éliminer trop, après, tranquille. Ça va être une orgie à la fin, mais voilà. C'est... Qu'est-ce qu'on aura oublié? Elle nous a dit, est-ce que vous avez vu le sage de Nancy? Ah, le sage. C'est un ami. C'est fermé. Donc, il y avait un coffre-fort dans la salle à caméra. Ah, attends, la pièce du directeur, là, il y en avait un coffre-fort, je sais pas si on l'a fait. Oui, c'est vrai. Ah, on l'a pas fait. Il y en a. Vu qu'il était planqué à côté, l'autre. Il y en a un qui est la vue. Alors, gauche, gauche, haut, haut, bas. Ouh, un diamant. Hop. Là, il n'y a rien d'autre. Genre, c'est pas un truc planqué. Hein. Là, il n'y a rien. Ah, vous êtes trois maintenant, d'accord. Pour moi, la chute, c'est dans cette salle. Hein. Le sage était derrière moi. Oui, je suis là. Est-ce que tu peux récupérer les objets dans mon sac à dos et les mettre dans le. Dans quoi? Dans le sac. Ah, dans le sac de but. Ouais. Alors, tu as un diamant, deux pierres précieuses, je te laisse évidemment ton dispositif de piratage. Hop, et je te laisse ça. Et cette stupide. Oula. Et avec tout ça, je vous mets quoi, mademoiselle? Avec ces filles, oh, c'est tout, merci. Merde, mon truc. Oh, il y a des lasers de partout. Oh. Ah. Oh, ça te met des lasers de la salle de vidéo. Oui. Oh, mais laisse tomber. De toute façon, les lasers, c'était plus utile contre la statue qui était au fond qui avait la clé pour m'emmerder. Là, c'était pas le cas. Comme j'ai débloqué des lasers au tableau des batteries, donc du coup, j'ai pu passer facile. Ah oh bah, elle est de retour contre la grille. Ah, la grille, c'est la bloc. Est-ce que tu as... Attends, je regarde si on a oublié un truc. Non, mais toi, je te vois, t'avances pas là-bas. Ah, là, il y a le coffre-fort dans la salle où est ton retard. Ouais.
n'avancez pas, sinon c'est carnet de correspondance là, les deux. On est à 61 000 et encore beaucoup de place dans le coffre. Je balance les objets de valeur dans la pièce parce que ouais. Je suis censé garder à l'œil la statue qui bougeait, donc je peux pas faire autrement, je suis désolé. Normalement, moi, je tiens les deux en joue, là. Carnet pour vous aussi, le sage. Parce que depuis tout à l'heure, elle ne bougeait pas, donc... Attends, j'ai deux autres objets. Le sage, il est dans avec la troisième. Oui, je suis dans le salon avec la troisième. Le sage est dans un autre jeu. Elle est bonne. Le sage joue à la balle. Oui, j'aime beaucoup. Et cette case de boule, vraiment. Ah non, mais elle est terrible. Elle peut pas rentrer dans le sac, c'est pas possible. Pour jouer au bowling avec les statues. À la fin, strike. Ah bah si, ça rentre. Ça, tu rigoles, incroyable. Mais ça rentre. Le sac est extraordinaire. Et ça pèse 6 000 $ quand même. Ah oui. Le blob. Oh bah on peut y aller, non? On est à 65 000. On va faire des 100 000 là. Facile, facile. Oui, oui. Bonjour madame. Est-ce au revoir madame. Très vilain, lui on met des livres dans la gueule. Très envie d'être très très vilain. Tiens, réception. Elle va très mal le prendre, c'est elle va le torturer. Je regarderai la rediff parce que ça donne me faire rire. Oui, oui, tu vas adorer. Franchement, tout à l'heure, les caméras, ça faisait une ambiance géniale. Je vous laissais parler avec la caméra, c'était trop trop bien. Et j'avais pas trop de 6 caméras, croyez-moi, c'était trop trop bien. J'ai l'impression d'être à la place du réalisateur d'une émission de télé de frisson, c'était génial. J'adore. Je savais bien que t'étais un voyeur. D'ailleurs, s'ils sont malins, les concepteurs du jeu, je serai eux, je développerai à terme un mode où on peut incarner les monstres. Ah oui! Ah, ce serait énorme! À la limite, tu ferais un style de loup-garou dans un. Ouais! Dans je pense qu'il y a une variante à faire qui pourrait être très drôle. Mais on verra ce que l'avenir nous réserve. Tiens! Faut bouquiner dans la vie, madame! Et tiens toujours à l'œil, Torota, les statues? J'ai les deux, toujours, elles sont tranquilles, elles ne bougent pas, elles sont pas bien. Wow ! Ouais, elles sont tranquilles. Ouais, ouais, elles sont tranquilles. Ouais, bien sûr. Oh, Bastos, c'est le chaos. Qui le sauve ? Ah, merde ! Enfin, je vais essayer. Mais... Vous précipitez pas. Je vais essayer. C'est pas comme si c'était chronométré. Hop là. Ouais, c'est parce qu'en fait, quand t'es passé, t'as tourné le dos à la première. C'est pour ça qu'elle t'a tué. Bah, je connais. Donc, dès que tu passes, il faut que tu lui tournes. Voilà, allez, 6 points. Je suis là. Bastos, reviens. Il y a un coffre qu'on a oublié là. Juste à la salle de maintenance. Dans sa fâche. Ah ouais. Oh, le bouquin, c'est mange en pleine poire. Non, ça c'est non, non, le saut non. Je t'écoute. Alors, droite, à bas, haut, haut. Non, merde, je voulais pas. Je commence à faire des bêtises. Ah, un bracelet. Un bracelet bon. Ornementé à 1 200 $. Magic shop. Compte après, je sais pas où il y a d'autres trucs à piquer. À prendre dans la salle des affaires, tu as tout ramassé, Bastos? Non, pas tout. Je peux défonctionner les lasers. Il y a des lasers juste là. La maintenance, comment on l'allume? Grande question. Tout à l'heure, elle était ouverte. Comment on avait fait pour l'allumer? Il fallait qu'on mette le fusible. Bah, dans la pièce où on vient de faire le coffre-fort, tu peux déplacer le fusible? Alors, je sais pas. Que maintenant on n'a plus besoin d'aller au coffre-fort, on a la couronne. Il n'y a rien. Ça va, ça se passe bien. Moi, je comprends plus. Ça va, elles bougent pas, elles sont tranquilles, elles sont très sages. Bon, les tableaux, on peut pas les prendre, dommage. Mais au moins dans la salle de couronne, dans la salle des lasers, il y a au moins
la vitrine a pété. Bah, avec, ça y est, on les a pétés. On les a pétés, les vitrines. Il y, même quatre, il y en a même 4. On les a pétés. Ah, ben voilà. Après. Je sais que dans la salle de bain, il y a des trucs, mais il y a aussi une statue. Là, je peux pas aider, malheureusement. Là, je suis un peu coincé par. Alors, comment j'arrive, Bastos? Oula. Mais c'est quoi tous ces sacs poubelles là? Je voulais vérifier qu'il n'y avait pas de diamant dessous. Hein? Bon, allez, je te fais la courte ou. Vas-y. Merde, c'est où le truc? Bah. Ah, attends. Voilà. Vas-y. Un coup j'ai le truc, un coup j'ai le plus. Oh, attends, à tous les coups, il va y avoir une statue dans la pièce. Mmh. Oh putain, il y en a une! Voilà. Amenez-le moi. Alors attends, elle est. Oh, elle est tombée de dos. Emmène-lui, emmène-lui. De retourne de mon cerveau des statues. Non, 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 non! Oh putain, elle s'est approchée de moi, je te dis pas. Oh la vache! Attends, j'ai ouvert les deux portes. Ouais, ouais, elle est juste là, elle a failli m'attraper là, devant la porte. Oh, attention. Ouais, bon, bah, je vais la regarder. Bonjour, madame. C'est à quel endroit, là? Dans... Ah, juste après la salle de maintenance, sur la droite. Juste après la salle de maintenance à droite, d'accord, ok. Dans le couloir des deux statues. Tu veux vraiment que je t'amène la troisième statue? Oui. Bah, je vais essayer, mais... Je suis très proche de... Oh putain, mais elle avance super vite. Attends, parce que je vois pas dans quel sens c'est le... Attends, je suis en train de me... C'est chaud, on est entouré par trois statues. Attends, je suis en ton retard, j'essaie de passer derrière toi. Oh là 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 là. Vas-y, vas-y. Normalement, j'ai capté. Stop, stop. Tu es trop large, je te retard. Recule. J'avance un peu, vas-y. En plus, c'est pas pour dire, mais la porte de sortie. Il y a juste un endroit où il y a les statues. Oui. C'est pour ça. Attends, tant qu'il est. Attends, tant qu'il est. Ouais, ouais, je vais voir si on a pas oublié des trucs. De ça, je l'ai en observation. Je l'ai dit que les quoi? C'est du brain, ça. C'est pas. Donc, allez-y. Et repassez où la statue là? Je la vois plus. Oh putain, ça. Bonjour. Oui, il y a une clé, hein. Clé de la salle de bain. Oh putain, je sais qu'il y a une statue dans la salle de bain. Ah ben une statue de plus, ça me fait faire du courir. Non, arrête-toi, arrête-toi, je te vois. Je vous vois, je vous vois très bien. Mmh. Là, il y a la statue qui est... Le problème, c'est que j'aimerais bien aller mettre des trucs dans le sac. Extraordinaire, c'est ennemi. Pour l'instant, on a 91 000 dans le sac avec la couronne. C'est beau, ça, c'est beau. On est ultra organisé. Bon, je vais reçois des bouquins dans la face, mais ça, ça doit être. C'est bon, je vais attendre. Le sage est fasciné par la salle des statues. Totalement. Mmh. Ah, il ben moi j'ai le couloir des statues, donc tu vois, chacun ses statues. Eh, hey, arrête de bouger, arrête de bouger. Merci. Bon, ben je pense qu'on va pouvoir y aller, non? On est à 100 000. J'ai pas d'autres trucs très chers à mettre dans le sac. Je vous ai dit d'arrêter de bouger, madame.
S'il reste 2-3 places, on prendra des choses un petit peu moins chères et puis voilà. Ouais, il y a des trucs à 1002 qu'on peut virer pour des trucs un peu moins chers. Un peu plus. Ah non, tu veux. Tu veux nous voler? Ah oui. Et la part personnelle, tu en fais quoi? Bon ben voilà. Après je crois qu'on a tout fouillé, non? Hop 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 hop, bouge plus toi. Voilà, gentil. Bon ben on fait quoi, on s'en va? Là, oh, attends, mais comment tu veux passer? Tu vas voir avec ce son. Passe de l'autre côté derrière moi. Tu seras beaucoup plus tranquille. Quelqu'un du champ. Passe derrière moi plutôt. Oula. Allez-y, allez-y. Vous pouvez sortir. Mais on a pris le sac. Bah de toute façon le sac il se prend automatiquement. Le sac. Ah d'accord. Ça serait bête de sortir sans le sac. C'est violence. Est-ce que je peux sortir? Ah. Bon ben. Oh putain. Elle a failli me faire un bisou la madame. Alors. Ouais, enfin qu'on se retourne et qu'on appuie sur E pour aller dans le van. Et en plus faut maintenir. Oh putain, on va tous crever. C'est bon, j'y suis. Je vous attends, les copains. C'est bon? Ouais, t'es. Bon, ben voilà, ça y est. On peut faire quitter sur l'ordinateur. Attends, il manque le sac. Oh non! Il est KO! Oh merde! Il faut y retourner. Voilà. Voilà. Bien joué. On a abandonné le sage. Les trois chers m'ont puni. Pour le boxon que j'ai mis dans le manoir. Ils m'ont demandé de faire le ménage. Il fait partie désormais du manoir. C'est ça. Bien joué, bravo. C'était génial. Très bien. Voilà, part du patron, 50 000. Personnel. Bien, franchement, j'ai adoré. Ouais, à voir après les autres niveaux qu'ils ont mis. Ouais, on verra ce qu'ils nous réservent à l'avenir. T'étais cool. C'est bien, ouais. Ouais, bien joué. Merci les copains. Ah, merci à toi. C'était Dark Hours, le prologue. Bon, bah je rends mon antenne. Hein. Je vais pas faire un jeu derrière, il est déjà quasiment minuit. Puis moi, ça me permet de me recaler un peu dans les horaires plus conventionnels, on va dire. Ah, merci à vous d'avoir joué, les copains. Demain, par défaut, j'ai bien par défaut, je peux bousculer pour faire du jeu en multi. Demain matin, je sais pas quelle heure, je démarrerai théoriquement sur du Final Fantasy. Où il me reste donc deux fins alternatives, plus la fin véritable qui est cachée, une fois qu'on a délivré toutes les fins alternatives. Les fins alternatives, pour faire la liaison. Et l'après-midi, j'ai rien de spécial, ni en soirée, on pourrait enchaîner les jeux en multi, faire ce que vous souhaitez. Voilà. Ok. Voilà, voilà. Je crois savoir que tu bosses demain, Bastos, je me trompe? Non. Ah, t'es en repos? Oui. Oh, c'est merveilleux, ça fait plaisir à entendre. On pourra jouer. Bah oui, ah oui. Bah fais-toi plaisir justement demain, Bastos. C'est-à-dire que, voilà, si tu veux diffuser violence sur ton canal, n'hésite pas. Si tu veux voilà, jouer en notre compagnie, tu choisiras le jeu. Comme t'as moins l'occasion dans le groupe de pouvoir jouer, évidemment, tu vas être mis à l'honneur. Fais-toi plaisir. Je sais. C'est cool, c'est cool. Bon, bah, bonne nuit, les copains. Je vais vous laisser là. Merci. Je vais faire un relais de chez Paki. Bonne nuit, à demain. C'était cool. Ciao, Michi. Bisous.
Bijou. Ah, c'était une nuit frisson, c'était énorme. J'ai adoré, c'était trop trop bien. Alors, eh oui, la belle tradition de la plateforme. Au niveau de Twitch, qui vais-je avoir le plaisir de faire relais de chaîne? Tizi, je crois un chaîne. Telle est la question. Oh, Maria. Oulala, je me vois en... Ah, je vois les choses. Ouais, il y en a qui ont pas mal de monde. Ouais, puis on met en petit comité entre nous. Tac, 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 tac. Oui, bon, il y a la dernière séance de poupon. Oh, petit Seb, alors. Ah, il y a Steph le Flou aussi qui fait du Street of Rogue. Pardon, vous m'avez écrit quelque chose, sûrement vous m'avez souhaité gentiment. Poli. Lord Guildmoss. Attends, est-ce que j'ai Lord Guildmoss? Ah, il fait du Factorio, tu as raison. Tu as raison, je l'ai dans mes radars, il fait du Factorio. Bonne idée. Je valide. Lord Guildmoss avec un underscore. Alors, tirer raid Lord Guildmoss. Je crois que c'est comme ça. Ouais, normalement c'est bon. Je vérifie à deux fois que j'ai pas merdé l'orthographe. Tu as raison, il fait du Factorion. On va aller voir le garçon. C'est là où je m'aperçois que c'est finalement une fille. Je me suis trompé de genre de diffuseur encore hier. Non, c'est bien ta garçon. Ça respire la tétostérone. Alors c'est un jeu dont j'ai beaucoup entendu parler et qui existe depuis bien longtemps, Factorio. Mais il est vrai que j'ai jamais regardé. Attends, c'est moi ou j'entends pas... Où il est en grand silence, Factorio. Lord Guildmoss, pardon. Ah, il émet très faiblement. Trop bizarre. Eh bien. Waouh. Donc, je sais pas à quelle heure je reviens demain, hein, demain matin. Mais bon, voilà, on a encore une belle journée devant nous à venir pour des jeux en commun. Et puis, oh là là, demain soir, ça va être la douleur parce que ça va être la fin d'une belle session de jeu. Et je vous dis, je vais essayer de maintenir mon souhait de pouvoir diffuser même les week-ends, mais dans les mois à venir, ça va être dur. Je vais avoir beaucoup de choses en vie privée. Et je sais pas si je vais pouvoir rester régulièrement à l'antenne de Twitch, mais je vous tiendrai au courant. Mais génial, tout ce qu'on a vécu, là, je vais avoir 4 grosses journées à revisionner sur 15 jours pour faire des clips. Ça va être la folie furieuse. Ça va être la folie furieuse. Oh shit. On nous attaque. Quoi? On nous attaque? Non, c'est un raid. Archer en position. Il est terrible le garçon avec ses conditions. Merci vous avez une fière garde pour les sommes de Jésus. Ils sont trop nombreux. Ils sont trop. Comme les statues.